même la cloche, elle est triste que les enfants soient partis. Hein? Sont où Gabriel et Caroline? Sont partis chez leur papa pour un mois, même un peu plus. Du coup, ben, de 5, on passe à 3 et... C'est tout triste, c'est tout triste. Pas de morale aujourd'hui. Pas de morale et pas envie de vloguer, pas spécialement. Donc... Tu joues avec ton doudou? Tu joues avec ton doudou, regarde. Il est au chat. Oh! Ouais, t'as fait un bracelet. T'as fait un bracelet? Dis donc, t'as fait un bracelet, chouchou? Coquin? Alors? Bout de chou? Il est où, papa? Il dort encore? Il dort encore, ton papa? C'était rire. Coquin, va. C'est trop marrant avec ton bracelet. T'as faim, bébé? Hein? On va faire le bip? Alors? Oh, chouchou. Chouchou, il t'est tout sa serviette. C'est pas ce que tu manges là? Un bout de chou. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Va arriver ton bib. Qu'est-ce que tu manges? Coquin? Un petit coquin? Oh. Bouchou. Ben nous, on boit le bip tranquille dans la voiture, hein, bébé? On est parti pour se balader à Aix et c'est le bordel au niveau des parkings. Et là-bas, ça se dispute parce qu'il y en a un qui n'arrive pas à tourner, on ne sait pas pourquoi. Non, mais regardez-moi ce bébé. On dirait un petit affamé. Il a toujours la main dans la bouche. Pourtant, il est nourri, hein. Il a pris son bib. We'll be right back.
hier du vin et qu'il est il est tout joyeux. Tout content. Il fait qu'il va aller dans l'eau. Faut faire d'autres des concombres. Qu'est-ce que tu fais? Coucou. Coucou, chouchou. Travail, hein, les petites gencives. Oui, oui. Coucou. Coucou Théo, coucou. Regardez, je vous ai pas montré ce que mon chéri a pris pour Théo, à la brocante d'Aix-les-Bains. Donc voilà, c'est Bois d'Albi Création. C'est dans la région, donc du coup, c'est en Savoie. Et c'est un artisan à 16 heures qui fait des prénoms, qui découpe des prénoms dans du bois. Et là, c'est marrant, enfin, j'ai trouvé sympa parce que ça fait un peu l'écriture Disney. Donc là, d'une seule main, j'arriverai pas à enlever le prénom, mais voilà. Et donc, ce petit prénom, je le collerai soit sur le berceau de Théo, soit au-dessus de la... la table allongée. En tout cas, je trouvais que c'était très mignon et j'aime bien l'écriture. Voilà, voilà. tu discutes? Oh, c'était bon le bib, hein? Oh là là. Hein? C'est comme le café pour maman, hein? C'est le meilleur moment de la journée. Hein, Boutchou? Alors, coucou mes frères et sœurs, si vous passez par là, coucou. Et mon Boutchou, tu dis plus rien? Oh, t'as encore du lait sur le museau. Un Boutchou. Alors, coucou. Coucou. Boutchou. Voilà, je vous retrouve dans la voiture où je suis avec petit Théo. Et aujourd'hui, nous allons déjeuner avec Marie et sa famille. Donc, on ne s'est pas vu depuis quelques mois déjà. Et ça y est, son petit bout de chou est né. Donc, c'est pour moi l'occasion de le découvrir. Ça fait une double claque dans la tête parce que Marie, je l'ai connue quand elle avait 17 ans, c'est-à-dire l'âge d'Alexandre. De la savoir deux fois maman, ça me fait une claque dans la tête, ça. Le temps passe tellement vite. Bref, je vous retrouverai plus tard, donc quand je serai rentrée de chez elle, parce que voilà, je pense que je vais passer le temps avec les trois petits loulous, c'est-à-dire Théo, Sacha et voilà. Et je n'aurai pas le temps de vlogger. On sera bien occupé avec trois petits bouts de chou. Voilà, voilà, je vous dis à plus tard. Alors, à gauche, nous avons une petite crevette et à droite, nous avons une langoustine qui est la mienne. 2 mois d'écart. C'est le déluge aujourd'hui! Le vrai déluge! La pluie est venue d'un coup et il y a eu un sacré vent. Au moins, on a plus chaud. Ce mardi, il est tellement pourri. Je suppose que chez vous aussi, c'est pourri. En Haute-Savoie, c'est pourri aussi. Et Gabriel, il m'a envoyé un texto. Il m'a dit que ça pleut dehors.
C'est tellement pourri que je vais passer à mercredi direct. Sur ce, je vous dis à demain. Il est 7h et mon chéri va partir sur 2 jours pour la région de Chaux. Donc, il ne rentre pas ce soir et il en profite pour faire un gros, gros, gros bisou à bébé Bouchon. Sauf que petit Bouchon, bah, il est complètement endormi, donc il ne se rend pas compte. Voilà, voilà. Et Bouchou s'est rendormi à nouveau après le bip de 9h. Décidément, ce petit chouchou. J'hallucine, franchement j'hallucine. Regardez, le fils du voisin, tranquille, en slibard, il est en train de vider le compost. Tranquille, à l'aise. Donc, en fait, c'est nos voisins qui sont partis en Norvège pour récupérer les affaires de leur fils aîné qui déménage de Norvège depuis la France. Et en fait, là, c'est le plus jeune fils, donc il est resté pour surveiller la maison. Mais en fait, il fait la bringue. J'ai l'air d'une voyeuse, moi. Et si je sors sur la terrasse, vous croyez qu'il va s'enfuir ou il va faire comme si de rien n'était? Attendez, je vais faire le truc, juste histoire de m'amuser. Coucou Théo. Donc, il s'est barré de l'autre côté finalement. C'te honte. Ah, je suis bien une emmerdeuse quand je veux. Ça te fait rire, toi. Hein? Je crois qu'on est deux à bien rigoler. Oh là là. Pour ce midi, comme je suis toute seule et que j'ai pas grand faim, ce sera une salade avec des tomates, de la feta, du maïs et du thon. Et ça va très bien. Théoriquement, j'ai ça qui m'attend. Mais comme le beau temps vient juste de revenir et que Monsieur Théo est en train de pleurer, je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais aller faire un tour. Hein, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu râles? Ça t'hypnotise pas ce machin, hein? Non, ça peut pas t'hypnotiser? Dors, bébé, dors! Dors! Oh, grognon! T'es grognon comme qui, toi? Hein? On se demande. Alors Bouchou, il a bu le 5e bip de la journée, il a les yeux éclatés, il essaye de me sourire, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas encore ça, donc on va changer un petit peu d'air et je pense que je vais aller faire un tour à la foire fouille et puis comme c'est sur le chemin de l'essence, et ben voilà, on va mettre de l'essence parce que la voiture elle est sèche, 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 de chez sèche. Je vous ai pas montré ce que mon chéri avait ramené à Théo, donc c'était la dernière fois qu'il était en grand déplacement. Et ça vient du sud, donc il était du côté de, je sais plus, mais la dernière fois qu'il était en déplacement, il a vu ce petit ours et voilà, c'est trop mignon. Du coup, ça reste sur le sac de Théo et puis j'espère le garder en bon état le plus longtemps possible. Donc voilà, le sac est prêt, on va faire un petit tour avec bébé. Il n'y a plus qu'à attraper le petit chat et fermer les volets parce qu'on a eu des cambriolages. Oui, oui, pas loin, donc dans les maisons derrière là-bas. Voilà, il est 18h et on part faire un tour avec bébé. Je pensais qu'il faisait plus frais dehors parce qu'en fait dans la maison de chez nous, il fait frais mais pas dehors. Je suis assez surprise. Il fait 21 degrés quand même. Ouais, ça fait chaud quand même. Bon, avec bébé, on est parti faire un petit tour. Comme il n'a pas dormi, ben, j'espère que ça va le bercer un peu. En général, la voiture, ça l'endort. Et puis, on vous retrouve un peu plus tard.
Voilà, du coup il est 21h30, bébé est couché depuis à peu près 1h30, donc ce qui m'a permis de me poser un petit peu, de manger et là je vais vous montrer ce que j'ai pris à la farfouille. Donc j'ai pris que des stickers, donc ce genre de stickers là, j'aimais bien ce message, s'aimer beaucoup à la folie, c'est... C'est mon chéri et moi, mais c'est aussi avec les enfants. C'est, chez nous, il y a beaucoup d'amour, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et donc, j'ai pris ces stickers-là. Donc, tous les stickers, tous les lots de stickers sont à 4,99 €. Et ceux-là, je les ai trouvés sympas, donc ils sont un peu pailletés. Et ce serait éventuellement pour mettre dans le salon. Égayer un peu autour de la télé parce que ça fait un petit peu mort et j'ai envie de mettre un peu plus de vie dans ce salon. Voilà, voilà, vous savez tout. Voilà le coin télé qui a été relooké. Donc pour l'instant il est tard et la luminosité n'est pas terrible, mais je vous montrerai ça un peu mieux demain. Du coup ce soir je devais faire, enfin je devais, c'est un grand mot, je voulais faire soirée cocooning, j'ai fait juste soirée déco, je me suis pomponnée un minimum, mais là je suis tellement crevée que je verrai demain soir, parce que du coup mon chéri ne rentrera que dans la matinée du vendredi. La matinée c'est un bien grand mot, parce que en général quand il dit je rentre le matin, c'est il rentre en début d'après-midi. Donc demain soir, j'ai encore la possibilité de faire cocooning. Pour l'heure, je vais me coucher parce que là, je suis fatiguée de chez fatiguée. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!